profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. La raison pour laquelle vous êtes en vie, au cas où vous vous poseriez la question, c'est que j'ai besoin de savoir ce que vous savez et à qui vous l'avez dit. La voix de Marc avait perdu la plaisanterie forcée que j'avais l'habitude d'entendre les fois où nous nous croisions à l'hôpital. Il se tenait devant moi, les mains sur la taille et le sourire désagréable toujours sur les lèvres, comme s'il s'apprêtait à punir un enfant turbulent et savourait l'idée. Je comprends que vous puissiez mentir et je comprends que la torture n'est pas infaillible. Mais je dois essayer, n'est-ce pas ? J'ai levé les yeux vers lui, la peur et la rage se disputant mon cœur. Je sais que vous êtes un meurtrier. Je sais que vous avez tué Antoinette. Marc a fait une fausse grimace lorsque j'ai prononcé son nom. Oui, ce n'était pas mon meilleur choix. Je savais que prendre quelqu'un de l'endroit où je travaillais était risqué. Mais j'avais besoin de quelqu'un. Et elle était juste là, comme un cadeau. C'était facile sur le moment, mais avec le recul, c'était fait à la va-vite. Si j'avais su que vous alliez devenir un super-héros pour la venger, j'aurais sûrement attendu. Il sourit à nouveau, et je me souvins que la fille au téléphone l'autre jour l'avait comparé à un requin. C'était tout à fait approprié. Mais passons à autre chose. Qu'est-ce que vous savez vraiment ? Je sentis ma mâchoire se contracter sous l'effet de la colère. « Allez vous faire foutre ! Je vous ai dit la seule chose importante !» L'expression est tombée du visage de Marc comme de la viande pourrie sur un os. Les yeux morts et silencieux, il s'est penché et a commencé à m'enlever ma chaussure droite. J'ai essayé de me débattre brièvement, mais je n'ai pas bougé. Je devais garder mon énergie pour le moment où je pourrais la faire valoir. Mon poignet gauche semblait un peu moins serré, alors... Marc plongea la main dans l'obscurité qui nous entourait, et j'entendis le bruit d'un métal que l'on frotte sur du béton un instant avant que le marteau n'apparaisse. Il a approché le marteau de mon visage pendant un moment, mais il n'a pas posé d'autres questions. Au lieu de cela, il a abattu la tête du marteau sur mon petit doigt de pied droit, avec suffisamment de force pour faire éclater la chair et pulvériser l'os. Je sais que j'ai crié, mais je ne m'en souviens pas. J'étais trop préoccupé par la bombe qui explosait dans ma tête lorsque la douleur atteignait mon cerveau. J'ai senti que je glissais vers le noir puis que j'en sortais à nouveau. Ma tête tournait tandis que je cherchais à respirer. Et je me suis rendu compte que je battais involontairement des ailes, comme si mon corps avait décidé qu'il était temps de s'échapper, sans tenir compte de mes plans. Avec beaucoup d'efforts, j'ai ralenti ma respiration et mes mouvements. Il était difficile de penser à autre chose qu'à la douleur. Mais je devais essayer de tenir bon. Je ne pouvais pas voir mon pied, mais je pouvais dire, d'après la force et le jet de sang qui avait traversé le sol dans l'obscurité, que l'orteil était écrasé, voire complètement arraché. Cela signifiait que je serais plus lent si je devais courir, mais cela pourrait peut-être rendre mon pied plus facile à dégager si je ne m'évanouissais pas. Bien sûr, c'était toujours en supposant qu'il me laisse tranquille assez longtemps pour que j'essaie, avant qu'il ne m'ait trop cassé pour que cela ait de l'importance. Marc claquait des doigts devant mon visage, l'expression toujours aussi vide, mais la voix froide et furieuse. « Prêtez attention. C'est votre prochaine chance. Que savez-vous d'autre ?» Je savais que je devais coopérer au moins partiellement pour minimiser les dégâts et ralentir les choses. Les dents serrées, j'ai marmonné. « Je sais que vous donnez des choses à tuer à ce monstre, ou que vous êtes le monstre. » « Je ne vois pas comment vous pourriez l'être, mais qui sait ? Voilà ce que je sais d'autre. » Il acquiesce. « On dirait que vous ne savez pas grand-chose. Si vous dites la vérité, ce qui n'est probablement pas le cas, c'est quand même un bon début. » Il a soudain donné un nouveau coup de marteau sur mon pied, un peu plus loin. Mon monde explosa en rouge et noir, et cette fois, je m'entendis crier pendant un moment avant de perdre connaissance. Lorsque j'ai repris mes esprits... Marc se tenait debout, les bras le long du corps, un marteau ensanglanté dans la main gauche. Ses yeux se sont tournés vers moi quand j'ai ouvert les yeux, mais il n'a pas bougé. Il est resté là, immobile, à me regarder pendant un moment, alors que j'essayais de rassembler mes idées.
Lorsqu'il parla, sa voix était toujours plate, mais semblait plus légère, comme s'il était plus heureux qu'avant. « Content de voir que vous êtes de retour. J'ai bien peur qu'il ne vous reste plus que 3 orteils. D'après mon avis d'expert, ils sont irrécupérables. » Son regard se pose un instant sur mes pieds. « 2 d'entre eux n'existent plus, pour être honnête. Mais j'espère que cela vous fait comprendre ce que je veux dire. Voilà à quel point je vous ferai mal quand vous coopérez. Imaginez à quel point ce sera pire si vous ne le faites pas. Je sais comment briser presque tous les os de votre corps sans que vous en mouriez rapidement. Et bien que je sois mal équipé pour vous garder en vie à long terme ici, je peux certainement vous briser suffisamment pour que la pourriture et l'infection qui vous tuent lentement dans ce trou faste que cet outil... » Il agita le marteau vers mes pieds comme le sceptre d'un roi qui s'ennuie. « Semble être un plaisir. » J'écoutais à peine ce qu'il disait. J'étais trop concentré à essayer de ne pas regarder son doigt ensanglanté. Je l'observais attentivement depuis que je m'étais réveillé ici, et je n'avais vu aucun signe indiquant qu'il était plus rapide ou plus fort que ce à quoi je m'attendais. S'il cachait habituellement une force ou une agilité préternaturelle, il semblait peu probable qu'il le fasse maintenant, surtout lorsqu'il essayait si fort de m'effrayer. Mais ce n'était pas un grand espoir en soi. Même un Marc normal était parfaitement capable de me torturer et de me tuer comme il le faisait, sans parler de ce monstre que j'avais vu, qu'il soit lié à Marc ou qu'il ait jailli d'une manière ou d'une autre de l'homme lui-même. Mais quand je me suis réveillé, alors qu'il faisait son meilleur monologue intimidant et agitait son marteau, je l'ai vu. Son index droit saignait. C'était la main qu'il utilisait pour tenir mon pied quand il l'a frappé. Cela m'a appris 2 choses. Premièrement, il n'était pas particulièrement coordonné. Deuxièmement, il pouvait encore être blessé. Prêt à répondre à ma prochaine question ? Sa voix est restée inerte, mais elle avait encore ce côté léger, presque joyeux. Il s'amusait. J'ai acquiescé, m'efforçant d'avancer plus lentement et plus faiblement que je ne le sentais. De l'eau, s'il vous plaît. J'éraillais ma voix autant que je le pouvais, ce qui n'était pas difficile dans mon état actuel. Il était difficile de voir ce que Marc pensait. Son visage était un masque sans émotion alors qu'il semblait considérer ma demande. Je sentis mon cœur s'affaisser alors que plusieurs secondes semblaient s'écouler. Puis il leva les yeux vers ce qui aurait pu être un regard d'exaspération. « Je reviens tout de suite, n'allez nulle part. » Il se retourna et s'enfonça dans l'obscurité. Une porte s'est ouverte et une lumière s'est allumée dans la pièce adjacente. Je pouvais maintenant voir une plus grande partie du sous-sol, y compris des escaliers au fond qu'il n'avait pas empruntés. Cela signifiait qu'il y avait de l'eau ici et qu'il reviendrait plus tôt. Je commençais à tirer frénétiquement sur mon bras gauche, ignorant la douleur et la protestation de mon poignet alors que je tirais et tordais de toutes mes forces. J'avais raison. La corde de mon poignet gauche avait un peu de jeu, mais je n'étais pas sûr que ce soit suffisant. J'ai commencé à scier la corde d'avant en arrière sur mon poignet rapidement, et en quelques secondes, j'ai vu le sang commencer à couler autour de la corde. Au même moment, j'ai vu la lumière s'éteindre dans la pièce adjacente, alors que Marc revenait. Après un mouvement frénétique pour étaler le sang sur la corde, j'ai tiré une dernière fois pour libérer mon poignet. J'ai senti quelque chose se briser, mais le sang avait suffisamment lubrifié le poignet pour qu'il se libère juste au moment où Marc revenait dans la lumière. C'est bien, juste à temps. Sérieusement ? Sa voix était encore trop étrangement plate pour bien transmettre le sarcasme. Mais il la ponctua en me jetant le verre d'eau à la figure. Il posa le verre lui-même sur le sol, puis se pencha en avant, saisissant brutalement mon bras gauche de sa main gauche tandis qu'il commençait à défaire la corde autour du bras de la chaise de sa main droite. C'est ce que j'attendais. Je savais qu'il préférait sa main gauche et qu'il la favoriserait encore plus si sa main droite était blessée. Il aurait pu m'attaquer par le côté et ne courir aucun risque. Mais il était arrogant et il pensait qu'il était en sécurité et que j'étais inoffensif. D'ailleurs, cet imbécile m'avait attaché la poitrine avec une corde élastique. Un homme adulte peut mordre avec une pression de plus de 100 kg. Si la position et la force sont appropriées, c'est plus que suffisant pour arracher les artères carotides internes et externes gauches en une seule morsure. J'avais pensé au meilleur angle si j'en avais l'occasion, mais je ne pouvais pas perdre de temps à essayer d'être parfait. D'un seul mouvement, je me suis penché vers l'avant et vers le bas, puis j'ai enfoncé mon visage dans son cou,
la bouche aussi grande que possible. Distrait par mon bras et la corde, il n'a pas pu réagir à temps. J'ai serré les dents de toutes mes forces en sentant sa peau, ses muscles et ses tendons céder sous la pression. J'ai secoué la tête en le tirant vers moi et j'ai senti les artères commencer à se déchirer tandis que de nouveaux volumes de sang giclaient dans ma gorge et dans la pièce autour de mes lèvres. Je n'ai toujours pas lâché prise, mais je me suis rendu compte que Marc avait poussé un cri. Il ne s'était pas vraiment débattu ou n'avait pas riposté, il avait simplement couiné comme un animal mourant. Je ne l'ai même pas entendu jusqu'à ce qu'il commence à s'éteindre. Alors que son corps devenait mou, son poids a fait le reste du travail pour moi, et dans un claquement humide, je me suis retrouvé avec la bouche pleine de la gorge de l'homme alors que le reste de son corps s'écroulait sur le sol. Je l'ai craché par terre et j'ai commencé à travailler pour me libérer. Même avec mon poignet blessé, ça n'a pas pris longtemps. J'ai gardé un œil sur Marc pendant tout ce temps. Il avait perdu plus de sang qu'une personne ne peut en perdre et vivre, mais j'en avais déjà trop vu cette nuit-là. Quand j'ai été libre, j'ai pris le marteau et j'ai frappé sa tête jusqu'à ce qu'il n'en reste plus grand-chose. Lorsqu'il n'a plus été question qu'il revienne, j'ai commencé à explorer le sous-sol. La pièce voisine était en fait un espace de vie complet avec un lit de camp, une petite kitchenette et une salle de bain. J'ai trouvé des bandages et de l'antiseptique, faisant de mon mieux pour protéger mon pied à court terme. Marc avait dit la vérité. Les deux derniers orteils de mon pied droit avaient disparu. Une fois les premiers soins terminés, je me suis mis à la recherche d'informations que Marc aurait pu laisser derrière lui. Des indices sur ce qui se passait réellement, sur ce qu'était cette créature. Mais je n'ai rien trouvé. Je sentais mes forces décliner à mesure que l'adrénaline commençait à se dissiper. Alors je me suis mis au travail pour sortir de là. J'ai rapidement fouillé ses poches et trouvé ses clés ainsi que les miennes. En montant les escaliers du sous-sol, j'ai constaté que la porte du haut était verrouillée. Mais après un moment de tension, j'ai trouvé la clé sur le trousseau de Marc. J'ai essayé de me déplacer silencieusement en montant à l'étage, les images de cette terrible créature dans les bois remplissant ma tête tandis que je boitillais. Je me trouvais dans un petit ranch. Et lorsque j'ai ouvert la porte extérieure, j'ai vu ma petite voiture d'espionnage abîmée à l'extérieur. Apparemment, Marc avait été forcé de la prendre lorsque la sienne avait été détruite et, par miracle, elle était arrivée jusqu'ici. J'espérais qu'elle pourrait aller un peu plus loin. Debout dans l'embrasure de la porte, je me suis rendu compte que j'étais au milieu de nulle part. Il y avait un chemin de terre qui s'éloignait au loin, mais aucun signe d'autre lumière de maison ou de voiture. Je pouvais voir que le ciel commençait à s'éclaircir à l'approche de l'aube, mais ce n'était guère réconfortant pour l'instant. En plus de la terrible douleur, je me sentais exposé dans cet endroit étrange où tout pouvait rôder. Je retournai rapidement à l'intérieur pour répandre le contenu d'un bidon d'essence que j'avais trouvé dans le sous-sol, m'assurant de saturer tout ce que j'avais parcouru et le corps de Marc. De retour à l'extérieur, j'ai essayé ma voiture et elle a démarré avec un gémissement. Pour l'instant, tout va bien. J'avais en fait oublié de trouver quelque chose pour allumer l'essence. Mais l'allume-cigare de la voiture et un morceau de papier récupéré sur le plancher ont fait l'affaire et en quelques minutes, j'étais parti. N'ayant aucune idée de l'endroit où je me trouvais, j'ai vu que les traces sur le chemin de terre semblaient indiquer que Marc était venu par la droite. Et c'est donc dans cette direction que je suis retourné. La conduite était difficile car la voiture n'avait pas de boîtier de vitesse et je ne pouvais pas utiliser mon pied droit pour accélérer. Heureusement, il s'agissait d'une voiture automatique. Et même si ce n'était pas confortable, cet inconvénient était le cadet de mes soucis. Ce qui était plus gênant, c'était mon état de conscience, qui se dégradait au fur et à mesure que je conduisais. En serrant les dents, j'ai légèrement heurté mon pied droit contre l'intérieur de la voiture. La douleur m'a fait gémir, mais m'a ramené à la réalité pour le moment. Je commençais à paniquer et j'ai regardé la jauge d'essence, me rappelant à quel point le niveau était bas avant l'accident. Apparemment, Marc avait dû s'arrêter et prendre de l'essence pour m'emmener jusqu'ici, car il y avait maintenant plus de la moitié du réservoir. J'ai pensé sans ironie que c'était un coup de chance, puis j'ai commencé à pleurer. Pas seulement un peu, mais des sanglots aveuglants, à tel point que j'ai dû me garer.
Je suis resté assis dans ma petite voiture d'espionnage minable pendant un certain temps à pleurer. C'était en partie à cause de la charge physique et émotionnelle des dernières heures, mais surtout parce que c'était fini. Mark était enfin mort. Et cette nuit-là, alors que j'étais assis, attaché à sa chaise, et que je disais que la seule chose importante était qu'il ait tué Antoinette, j'étais sincère. Le monstre, le mystère, rien de tout cela n'avait d'importance. Il m'avait pris ma vie, mon doux et merveilleux bébé, et maintenant j'en avais fini avec lui. Mais si cela me soulageait d'une certaine manière, cela me terrifiait d'une autre. Pendant des mois, j'avais été préoccupé par l'étude de Mark, par la préparation de ma vengeance. Maintenant que c'était fait, je me trouvais au bord de mon désespoir noir, le sol s'affaiblissant sous mes pieds à mesure que la nouvelle réalité s'imposait. Je n'avais plus rien à faire. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Mark avait pris mon arme et mon couteau, mais il restait un cutter dans la boîte à gants. Je l'ai sorti et l'ai tenu un moment, testant sa sensation dans ma paume et l'idée qui l'accompagnait dans mon esprit. C'était très tentant. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce qu'Antoinette voudrait que je fasse et à ce petit garçon terrifié dans les instants qui ont précédé sa mort. Je n'avais pas fini. Je ne pouvais même pas dire si le meurtre de Mark avait tué le monstre ou s'il était toujours là, et je n'étais pas arrivé si loin pour abandonner tout cela, moi y compris. J'ai remis le moteur en marche et j'ai continué à rouler, atteignant le bitume puis une petite ville avec un hôpital à près de 3 heures de chez moi. Quand j'ai... « Attends !» dis-je en coupant mon grand-père au milieu de sa phrase. « Arrête-toi !» Il fronça les sourcils et acquiesça. Cela fait plus de 2 heures que nous étions assis là, et au fur et à mesure que le vieil homme parlait, j'avais senti mon anxiété se transformer en une sorte de peur étrange et furieuse. Je me suis levé, et j'ai commencé à faire les 100 pas pour essayer de me débarrasser de l'énergie nerveuse que j'avais accumulée. « Pour résumer, tu as tué ce type, Mark, qui a tué ta femme, ma grand-mère Antoinette. » Et soit il était ce terrible monstre scarabérin, soit il travaillait avec lui. C'est ça la putain de version courte ? Je me suis rendu compte que je criais, mais je m'en fichais. Mon grand-père a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai parlé au-dessus de lui. D'accord. Mis à part le fait que c'est complètement dingue, faisons comme si de rien n'était pour l'instant. Disons même que tu as tué ce Mark qui ne peut pas être un monstre parce que, il n'existe pas. Mais que tu avais une justification parce qu'il a vraiment tué grand-mère. J'ai fait une pause pour respirer, en voyant la tristesse abjecte sur son visage. J'ai forcé un ton plus calme. Comment tout cela explique-t-il ce que j'ai vu hier soir? Qu'as-tu fait à cette femme? J'y venais. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends toujours pas. Je secoue la tête. Non, ce que tu dis n'a pas de sens. Je comprends que tu as traversé beaucoup de choses, je comprends, et peut-être que tu ne veux pas voir à quel point certaines de ces choses sont folles, mais si tu crois vraiment à tout ça, tu as vraiment besoin d'aide. Mais je ne peux pas savoir de quel type d'aide tu as besoin tant que je ne sais pas tout ce que tu as fait. J'ai essayé de me préparer à la question que j'avais redouté de poser toute la matinée. Grand-père, as-tu tué cette femme ? Il a croisé mon regard solennellement, semblant plus vieux à ce moment-là que je ne l'avais jamais vu. Je l'ai tué. Mais encore une fois, il y a plus que cela. Mais oui, c'est ça, c'est évident. Et donc, à part Mark et cette femme, as-tu tué d'autres personnes ? Il a hoché la tête, n'essayant même pas d'en dire plus à ce stade. Combien ? Ses yeux ne quittent pas les miens. Cette femme était la 87e. J'ai senti mes genoux se dérober. Et j'ai trébuché contre le comptoir de la cuisine. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Putain, quoi ? 87 ? Il avait l'air abattu. J'ai essayé de te dire pourquoi. Ce n'est pas facile ou rapide à expliquer. J'ai fouillé dans ma poche pendant qu'il parlait. Ouais, je suppose que ça ne l'est pas. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé 17 et j'ai appuyé sur appel. Après un moment de silence, je l'ai entendu sonner et la voix d'une femme m'a répondu. « Police nationale, quelle est votre urgence ?» Ma gorge était soudain sèche comme un os. Mon grand-père était assis à la table et me regardait en silence, sans protester, se contentant d'observer. J'ai finalement réussi à bourdouiller.
Je crois qu'il y a eu un meurtre ici, enfin plusieurs même. Je pense que mon grand-père est un tueur en série.